La grande rencontre entre le président Laurent Gbagbo et les OS. Les chefs traditionnels OS dribblent tout le monde en Côte d'Ivoire et envoient un message au président Alassane Ouattara concernant la réconciliation nationale. Les chefs traditionnels exigent le retour de Guillaume Kibafourisoro en Côte d'Ivoire. Voici les raisons probables. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Alors que plusieurs chefs traditionnels des régions du Cavali et du Guimont, avec à leur tête le chef Roulaye Victor Emmanuel, ont dit ne pas être concernés par cette grande rencontre entre les peuples ouest et le président Laurent Gbagbo en ce samedi 28 août à Mama, d'autres parviennent à nous prouver le contraire vis-à-vis du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP et la création du nouveau parti politique du président Laurent Gbagbo. Rabé, maintenant on a fait venir le docteur pour la réconciliation. Tu es prêt? Oui, je ne suis pas encore d'accord. Je suis prêt. Tu l'as dit? Je ne suis pas encore d'accord. Mais il aime trop les femmes. Grabé, tu es tout ça. Non, tu le sais, tu as dit que je suis ton ex aussi. Tu as confirmé que c'est ton ex. Vous savez, les divisions existent dans tous les milieux, aux vivres d'humains, aux animaux. L'histoire de faire comprendre que même si nous mettons assez de volonté, nous ne pouvons aucunement y remédier vis-à-vis de la situation sociopolitique qui prévaut présentement en Côte d'Ivoire. En effet, pour ce qui est donné de constater vis-à-vis de la scène politique, les OS semblent désunis sur la question de leur grande rencontre en ce jour avec l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Ainsi, pendant que certains ont opté pour le boycott de la grande rencontre avec le président Laurent Gbagbo, d'autres en ont fait tout le contraire. C'est dans cette grande dynamique que de nombreux chefs traditionnels ouest ont répondu à l'invitation du Woody de Mama en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo opte de nouveau soutien pour la création de son nouveau parti politique vis-à-vis de la scène et se lance pour les élections présidentielles de 2025. Par cet acte, il vient ainsi de dribbler tout le monde, alors que certains ont parié sur un échec total entre la grande rencontre avec le président Laurent Gbagbo et les chefs ouest. En voilà les exemples à suivre. Un chef, c'est aussi celui qui s'est discerné des politiciens à aller à une grande rencontre nationale et la réconciliation vis-à-vis des exilés. Non, je ne suis pas d'accord. Regarde ce qu'il dit. Chacun a sa vie, chacun a son travail. Pourquoi? Accorde cette fois-ci à vous. Pourquoi je lui ai dit que je suis à son moyen. Il a réfléchi, papa. Parce qu'il ne croit pas à lui. Non, il a plus de moi.